pas de cap fait bac. On m'a expliqué, sénateur Hervé Foucault, et je vous dis, on m'a expliqué nous. Moi, je suis sénateur en pays. On peut voter. On peut dans mon travail pour mal faire. Comment vous dire que Blanc a décidé avec un série de nègres presque que je ne suis pas capable sénateur, je ne suis pas capable rentrer dans le Parlement, et si je rentre, il y a rentré dans le Parlement, il y a fusé, il y a tiré. Ça a été planifié, c'est pour un échange de tir pour mon tomber. Le chef de police là, il m'a dit, vous écoutez, je fais un message là. Après, je fais un sénateur Hervé Foucan. Moi, j'ai décidé que pas de aucune confrontation. Je ne pas quitter ça arrivé. Mais tout, je ne pas courir. Je ne pas courir pour responsabilité. Je ne pas courir parce que le peuple m'a mandaté. Et si tout le temps, je dis que le peuple a courage pour l'avancer, même le barrage difficile, moi-même, c'est pour me débattre exactement à tel point. C'est comme ça. On prend toutes mesures pour sécurité, mieux à Jacques avec nous, que je connais tête chaud pour me faire pour là. C'est comme ça après que je voyais ce bosque ça, non, qui est avec nous. Je dis là, lâche mon téléphone pour moi, je voyais lâche mon téléphone, on côté de pas besoin. Mon téléphone, on ne pas besoin. Et je n'ai pas besoin puisque je n'ai pas trois autres téléphones. Moi, il y a Louis-Jean-Étienne qui est avec moi. Je dis là, cherche mon papier pour moi. Je voyais chercher mon papier, on côté de mon pas besoin de papier. Attends. Et l'homme assuré que pas de aucune confrontation, pas de aucun nègre qui l'a examen. Et me demande tout le monde qui des âmes, qui te nègre qui te armé, qui te toi là, des hommes qui auraient là. Alba et sécurité, non, car écoutez, petit monde. Donc, moi, pour contre moi, je n'ai pas vraiment de nègre qui armé, parce que je me dis qu'on a qui s'ambre aller, et je ne pas faire bac pour rien, parce que j'ai une responsabilité, on peut mettre sous d'homme, et je dois respecter jusqu'au bout. Le sénateur Grandestari m'a invité avec le directeur radio et Gary Diabolchal. Nous avons déjà connu, c'est une embuscade ma rentrée. Je pensais que je ne connais pas, mais je connais. Et si nous regardé, on a vu que Gary Diabolchal jouait l'hymne national là deux fois. Il a fait le, il a fait tant pour les policiers qui sont arrivés. Attendez, oui, ce n'est pas moi qui dis non. Guy Philippe dit que Gary Pierre-Paul Charles était au courant de l'arrestation. En temps des pays, on reprend. Parce que nous avons une responsabilité, on peut mettre sous d'homme et nous devons respecter jusqu'au bout. Le sénateur Grandestari m'a invité avec le directeur radio et Gary Pierre-Paul Charles. Nous avons déjà connu, c'est une embuscade de ma rentrée. Je pensais que je ne connais pas, mais je connais. Et si nous avons regardé, on a vu que Gary Pierre-Paul Charles jouait l'hymne national là deux fois. L'a fait le, l'a fait tant pour les policiers qui sont arrivés, pour tout ça, pour les comploteurs qui sont arrivés, pour faire ça, pour faire. Je me dis calme, je parle. Ou après que 30 minutes après l'émission, je me dis Gary, il faut m'aller. Il dit non, pourquoi aller, pourquoi aller. Moi, je connais ça, l'a fait. Oh. Je regarde, je connais. Parce que j'aime garder là, j'aime parler avec là. Je parle tout message que je me fais. Et après, je suis sorti pour éviter que aucun monde pas est blessé. C'est moi personnellement. Ce n'est pas le policier qui vient arrêter. C'est moi personnellement qui marche sous le commandant de la police. Et me dit, commandant, ça qui passe quand on l'a eu. Et m'a dit tout. Même les policiers ont voyé faire ça, il n'y a pas de souffle. Les policiers, ça m'a dit, peut-être, ils sauvent la vie. Parce que lui prend, il allait, lui mettait en machine et c'est le même moment où il balle à tirer. Tout côté. Il a arrêté. Il a vu l'homme. Il a dit, sénateur Guy Philippe, c'est pour droit qu'il a arrêté. Ambassadeur américain, Peter Merlin, et puis on l'aide dans le ministre de justice haïtienne qui dit que la justice américaine a cherché Guy Philippe depuis 2005 pour trafic de drogue. L'homme arrivé aux États-Unis, je me dis ok, nous allons dans le jugement. Parce que je connais pas le trafic d'eau. Je me dis nous allons dans le jugement. Le nègre que nous allons dans le jugement vrai. Le nègre n'a pas rien. Parce que les États-Unis, nous allons dans le jugement, il faut que nous allons dire qui ça reproche, qui pourrait venir contre nous. Le nègre paraît avec un feu, il dit que oui. Le 13 et le 17 janvier 2000, il y a deux bateaux qui quittaient au Cap haïtien à 80 kg de cocaïne. Et puis le capitaine dit, c'est le commandant Guy Philippe qui a été payé dans le bureau au Cap
qui peut permettre de quitter port au Cap là et 10 à 12 et janvier 2000. Nous allons dans le jugement, c'est ça au vini, c'est preuve ça au contre moi, c'est sous ça au basé pour dire Guy Philippe t'es dans le trafic de drogue. Mm-hmm. Le mre les avocats, nous parler, nous dit ok. Moi le passeport, moi c'est passeport, moi dis comme nèg la dit, il était payé le 10 janvier avant de déplacer avec le 2 janvier. Depuis 3 janvier 2000 moi États-Unis parce que petite fille n'a fait le 15 janvier. Et puis à aucun moment pas jam commandant police au Cap. Au Cap pas jam sous contrôle. Moi c'est pas mon commandant au Cap, nous étions directeur départemental chargé département nord pour police administrative. Donc pas de commandant au Cap. Au Cap t'es commandant. Un. Deuxièmement, comment au Cap fait États-Unis en même temps pour Haïti. Et troisièmement, je transféré comme commandant au Cap en février 2000. Je n'ai pas de commandant au Cap en janvier 2000. Je n'ai pas au Cap en janvier 2000. Donc là, vous voyez, vous mêlez. 2 jours après, vous connaissez son complot. Avocat dans le complot contre moi, propre avocat. Tout le monde, 2 jours après, vous venez avec un papier sur G-Bank. Vous dites, ok. Nous n'avons pas de dossier de drogue. Ça m'a dit là. On a vérifié. Tout le site officiel, il a créé les PCE. Il a dit non, ce n'est pas pour drogue. Le problème que nous avons avoir, c'est pour money laundry. C'est l'argent qu'on a lavé. Nous avons preuve pour laver 3 millions et demi. Le moment de qui preuve, il a eu un chèque de 112 000 dollars américains. Comme on preuve que nous avons 3 millions et demi. 112 000 dollars, il a dit 3 millions et demi. Et puis on dit, le moment de côté où je viens de c'est Société Banque Haïti qui dit que je fais tout pile paquet de dépôts entre l'année 2001 et l'année 2003. Et pourtant, 2001 à 2003, commencé à décembre 99 jusqu'à 2003, de 2001 à 2003, que dit ensemble dépôts, gros dépôts fait, tout le monde connaît pas dans Haïti, et pas de aucun gens, nous devons faire dépôt dans Société Banque en 2001 à 2003. Parce que nous sommes en exil. J'ai oublié que c'est en février 2004 que je suis entré. Je remercie le Sénat de la République. Qui te prend gros coquin chien résolution, tout, il faut me remercier sénateur, qui vous te dénoncer l'illégalité de ce qui fait là. Chambre des députés te prend belle résolution le 13 janvier, et malheureusement, les députés Kembel, malgré que vous prenez résolution, et résolution lui-même n'est pas jamais accompagné résolution sénateur. Et nous avons connaît comment et qui député, et pour qui ça, député ça, aucun bien résolution ça. De toute façon, pas de gens qui ont sorti dans le complot ça parce que le complot à Jean, sénateur, a dit non, son complot général. Malgré que j'ai envie d'aller dans le jugement aux États-Unis, pas de gens qui ont gagné. Parce que vous n'avez pas besoin de preuve aux États-Unis qu'on fait un bagarre ou pas faire pour condamner. Il suffit que vous prenez 2 personnes qui sont en prison. Qui vient dire oui, il était bon en corps, il était bon comme sous contrôle, comme ça, c'est notre trafic, ni sorti, ou bien un bagage illégal, ou a perdu la prison. Donc, avocat, sous gros pression, décide de signer avec le gouvernement, et il dit signer après la fait appel. Moi, j'ai 1 an pour me faire appel. Il dit, bon, d'accord, nous mettons signer, il y a bon 9 ans, m'a fait 7 ans, et il m'a fait appel. Tout le monde a droit à appel. Seul Guy Philippe. Avant 1 an, arrivé me fait appel. Je transféré mon corps et je suis devant le juge là. Le juge là a décidé que je n'ai pas droit de faire appel. Mal devant la cour d'appel, lui-même, pour me dire, pas comprendre. La cour d'appel prend une décision, lui dit, ou pas qu'il doit faire appel. Donc, tout côté me fait, je dis, Guy Philippe, pas qu'il doit faire appel. Donc, moi-même, côté de me considérer comme un prisonnier politique. États-Unis d'Amérique qui a parlé de démocratie tout le temps. Yo ken dem la, sans que vous n'ayez rien contre moi, yo ken dem la illégalement et yo ken dem un sénateur sans respect pour la constitution pays d'Haïti, sans respect pour le droit international, sans respect pour la convention de Genève, sans respect pour tout l'autre sac gagné dans 4 ans. Et ça qui aide,
le sénateur voulait papier et puis nous montrer juge là nous dit donc est-ce qu'on a comme preuve que ça qui fait là illégal yo gen le toupet figure du yo déclaré que c'est pas extradition c'est kidnapper ou kidnapper en Haïti bon non yo kidnapper c'est ça on dit l'homme rivé pour montrer et puis là montrer que toute bagarre qui passe là c'est pas vrai c'est pas kidnapping mais ça camille doit dire mais yo dit non c'est dans airport Miami on a j'agrelé Amos Rojas arrêté moi donc moi même nous dans de tout ça qui est passé devant Scoop FM non officiellement aux États-Unis yo même c'est Miami arrêté moi et c'est là que fait la prison mais parole là ça veut dire que il faut comprendre que c'est aux États-Unis yo t'ava arrêté Guy Philippe. Et n'a venir avec plus bagaille pour toujours parce que qui s'est passé de bagaille là yo là nous même n'a fait effort pour que nous permettre de joindre toutes informations pour nous permettre de comprendre mais ça Guy Philippe dit qui attire attention moi qui en pile monde dans de tout c'est que Gary Pepon Charles était au courant de paquet de bagaille. Et grave Gary Pepon Charles de prison.